Je m'appelle Les Makusa actuellement. J'arrive toujours actuellement parce que vous savez, ici on a connu une période qu'on appelait retour à l'authenticité. Et donc des noms, des gens plutôt qui n'avaient pas des noms congolais, des noms africains, ont dû changer leur nom. Moi je m'appelais pas, je suis pas né Les Makusa. Je suis né Lucien Sully. Lucien Sully, Sully. Bon, c'était un nom pas congolais, c'est français. Et Lucien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelait des évolués. Ils existent encore. À l'époque, c'est-à-dire des gens qui avaient des Congolais qui avaient un certain niveau et qui étaient avec les colonialistes, un peu, qui travaillaient ensemble, et qui vivaient un peu comme eux. Pour vraiment faire qu'on ait évolué, on donnait même à leurs enfants les noms des étrangers. Donc moi à cette époque j'ai dû changer les noms de Lucien Sully. J'ai pris les noms de mon père, Lema, et d'un oncle, Koussa. Et donc je suis devenu Lema Koussa. Donc sur tous mes papiers académiques, scolaires, vous verrez Lucien Sully. Mais mes papiers professionnels, c'est Lema Koussa. Et je suis né en 1944, sauf erreur. À Kinshasa? Non, je suis né dans le Bas-Congo. Vous savez, la RDC, c'est très grand. Moi, je suis né dans le Bas-Congo, de l'autre côté du fleuve. Et du côté, dans le territoire de l'Ouossi. Donc, vous traversez le fleuve. L'autre côté, vous avez les Mayombe et les Manyang. Et je suis de ce côté-là. Je suis né donc dans une mission protestante. Je suis protestant de naissance. Dans une mission protestante suédoise. Et nous avons été avec les Suédois qui ont construit des écoles, des hôpitaux. L'État belge n'avait pas développé cette région-là. C'était les missionnaires suédois, un peu les catholiques, qui ont développé cette région. L'État n'avait même pas construit d'école. Donc toutes les écoles qui existaient là, qui ont existé, les hôpitaux, tout ce qui était activité dynamique, c'était les protestants, c'était les Suédois. Et donc, moi, je suis né dans une mission protestante. Vos deux parents étaient de la région et oh, votre langue maternelle, c'est le Mayon. Non, c'est le Kikongo. Kikongo. Ouais. Tous les Bas-Congo, on parle le Kikongo. D'accord. Évidemment, il y a des différences, il y a des dialectes parce qu'il y a des petites tribus. Il y a les Manyanga, les Bayombe, Bantalu, Bisingombe, et ainsi de suite. Mais ils parlent Kikongo avec des nuances qui changent, mais c'est la même chose. Et vous êtes de quelle tribu du coup? Moi, je suis Manyang. À l'époque, c'était une région très religieuse. Et c'est comme ça que nous avons eu à l'époque, beaucoup de prophètes qu'on appelle des Ngunza. L'église que je viens de vous montrer, ce sont des prophètes. Et il y a eu beaucoup de prophètes dans cette région-là. Il y avait des tendances religieuses très poussées. Et c'est ce qui a fait que c'est une région peut-être pas intellectuellement développée, mais culturellement, surtout sur le plan religieux, sur le plan spirituel, était développée. Et les Belges avaient arrêté beaucoup de prophètes. Ils les ont envoyés un peu partout dans le pays, à l'est, au nord, pour qu'ils ne continuent pas le mouvement, parce qu'ils trouvaient que c'était un mouvement dangereux. C'est ça d'ailleurs qui a poussé les gens à demander l'indépendance. Et donc ça, ils ont parlé, ils ont enseigné, ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens, et ils ont compris que tiens, on devrait être indépendant. C'est pour ça que les Belges avaient compris que cette région-là était dangereuse. Une petite anecdote, dans un marché, et des Luozi, les territoires de notre région-là, bien longtemps, pendant l'époque coloniale, dans un marché, un Belge était en train de malmener les gens au marché et tout ça. Alors, brusquement, il s'est trouvé en face d'un Malabar qui lui a parlé dans un anglais parfait, un noir. Je dis, c'est pas possible. Un anglais parfait ici. Alors, depuis ce temps-là, il a écrit à la colonie pour dire « Cette région est dangereuse. Et faisons tout
pour retarder un peu leur développement. C'est comme ça qu'ils n'ont pas construit des écoles dans cette région-là. Mais heureusement, nous avons eu des Suédois qui ont fait ça. Et mon père était d'abord un orphelin. Il était un orphelin, il avait quand même des parents, mais sa mère était décédée quand il était tout petit. Alors son père a épousé d'autres femmes, mais ça, ils n'ont pas entretenu, il était vraiment abandonné. Et comme par hasard, les missionnaires protestants ont repéré en lui quelque chose et ils l'ont récupéré. Et donc, il était parmi les premiers diplômés de l'école médicale professionnelle de Kitambo à Kinshasa ici. Donc, ils l'ont envoyé ici à Kinshasa. C'était un événement pour venir à Kinshasa à l'école. Et donc, il a étudié dans cette école médicale où il était formé comme infirmier. Et après, il est rentré dans notre mission, la mission protestante Kikenge, où il a grandi et il a travaillé toute sa vie là-bas. On l'appelait d'ailleurs docteur parce qu'il soignait pratiquement tout. Il était le responsable au dispensaire, c'était un grand dispensaire de la région. Et nous, on était nés là. Et pendant qu'il était là-bas, il avait quelques dons quand même de dessin. Et il y avait un livre de lecture qui était lu dans toute la région, la province du Bas-Congo. Et une partie des Bandungu, parce qu'il parle Kikongo. Et ce livre a été écrit par un Suédois, mais illustré par mon père, qui ne savait pas dessiner, mais qui avait quelques talents. Alors le Suédois a dit, bon, essayons quand même d'illustrer. Et il a illustré le livre. Comment s'appelle ce livre? Le livre Mhanju. Et qui était lu très célèbre, très connu, c'était l'unique livre dans toutes les écoles protestantes du Bas-Congo où on parlait Congo. Donc il était doublement célèbre, infirmier dans toute la région, c'était lui le plus ancien qui a formé d'autres infirmiers et en plus il a illustré les livres qui étaient lus dans tous les Bas-Congo. Et donc mon père était connu dans tous les Bas-Congo. Quand vous dites Lema, tiens Lema, Samuel, il était connu. C'est un livre de lecture pour apprendre aux enfants à lire. Ouais. Et le goût de lire. Donc c'était le livre de lecture. On apprenait à lire. C'était vraiment intéressant. Et donc votre père faisait ça à ses heures perdues. Hein? Ouais, ouais. Parce qu'il était infirmier à côté. Il y a même la maison où je suis né ici. Ah. Il y a la maison où je suis né. Vous voyez cette photo-là? Oui. Ça, c'est l'église. Ouais. Nous, notre maison était ici. La mission, c'est là-bas, à l'intérieur. Là, c'est en dehors de la mission. Ça, c'est l'église. Notre maison était ici. Donc, je suis né presque dans l'église. Presque dans l'église, et ouais. Quand je sortais de la maison, je venais m'amuser devant l'église. L'entrée, c'est là-bas. Ici, c'est le dos de l'église. Je venais dessiner par terre et tout ça. Redites-moi le nom du village. Kikenge. Kikenge. La mission. La mission, oui. Mission protestante. Et votre père a dessiné la maison? Et notre maison est ici. Bon, on raconte des histoires. Ça, c'était nos voisins. Voisins. Je me souviens encore de ça. Notre maison, elle est où? Donc, on raconte la vie ici, comment dans les villages, on fabrique le manioc, la chikwang. Enfin, ça, c'était un livre très passionnant pour ceux qui attendaient où il est dans notre maison. Donc le prêtre avait vraiment appris la langue, hein? C'est pas le prêtre, les missions, les protestants missionnaires. Pardon. Les pasteurs. Le pasteur. Ah, ça c'est notre ça, maison. Ça c'est votre maison. Voilà. Ah ouais. Moi je suis né dans cette maison. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que mon père a passé toute sa vie à sa retraite. Et nous ne pouvions pas le laisser là-bas. On s'est dit, bon, il ne va pas rester à l'intérieur là, à son âge. Nous l'avons appelé ici. Avant qu'il ne vienne, pendant qu'il était assistant médical, c'était un fin photographe. Pendant qu'il était assistant médical à la mission protestante, et il faisait de la photo professionnelle alors. Évidemment, à l'époque, c'était des grosses caisses là. Et où on se couvrait sous un drap noir, et puis quand on devait photographier, on ouvrait l'objectif, on disait attention,
et puis on ouvrait un des trois, on refermait, et ainsi de suite. Et puis alors, les photos c'était sur des plaques. Il les développait sans voir vraiment, parce que ça devait se faire dans la caisse. Il sentait avec ses mains, il y avait les fixateurs et les révélateurs. Et puis après, quand c'est développé, il les rinçait. Et pour les sécher, on les mettait au soleil. Vous en avez gardé quelques-unes? J'en avais beaucoup. Mais mon frère qui gardait les archives a tout. Et donc, mon père a fait ça en même temps quand il n'avait pas du boulot au dispensaire, à l'hôpital. Il faisait de la photo. Et voilà, c'est comme ça qu'il était connu, parce que tout le monde venait se faire photo. Il faisait des kilomètres, il quittait des villages. Moi, je suis né là-bas en 1944. Et puis, quand j'ai commencé les primaires en 1953, et en deuxième primaire, 54, les protestants de tous les Congo belges, leur grande émission protestante, c'était à Épi, Kinshasa, dans le Bas-Congo. Donc tous les protestants du Congo belge, Katanga, l'Équateur, du Kasaï, et tous, ils avaient leur grande émission protestante, c'était à Épi, Kinshasa, dans le Bas-Congo. Et c'est là qu'ils envoyaient les jeunes gens qu'ils devaient former comme moniteurs. Ils devaient former les pasteurs, parce qu'il y avait une école de pasteurs. Ils ont créé une école secondaire, c'était la meilleure. Et une école primaire, qui était la meilleure, qu'on appelait école sélectionnée. Et moi, de l'autre côté du Manyang, là-bas, j'ai été sélectionné à 9 ans. On m'a envoyé dans cette école de Piquipes, à 9 ans. École des pasteurs et d'instituteurs. Ah. Voilà. Et j'ai été envoyé là-bas, à l'école primaire. Et là, on a fait 4 ans. Après 4 ans, vous terminez. Donc, c'est la 6e année. Et vous continuez soit à l'école secondaire ou vous allez ailleurs. Moi, j'ai préféré quitter parce qu'on n'est rentré qu'une fois là, pendant les vacances chez les parents. Et c'était terrible. Et l'éducation était dure. Hein. C'était pour ça que j'ai une certaine endurance, parce qu'à 9 ans, nous devions nous débrouiller pour nous nourrir. C'est vrai qu'on nous donnait de quoi manger, nous devions préparer, nous devions nous organiser, nous devions tout faire nous-mêmes. Et donc, on a été formés comme ça. Et c'est que de ce qui était particulier dans cette école, et vous alliez au cours le matin, vous commencez à 7h30, gymnastique, à 8h30, vous entrez en classe, vous étudiez jusqu'à 13h30, on vous libère, vous allez vite manger dans vos dortoirs, à 14h30, vous revenez au centre, et c'était des travaux manuels. Des travaux manuels à l'ordure. Moi, j'ai appris à fabriquer les briques à l'école primaire, 4e secondaire, 4e primaire, tout ça, j'ai fabriqué des briques. J'ai travaillé dans des carrières, parce que c'est une région où il y a beaucoup de carrières, c'est là où vous avez beaucoup de cimenterie. Et donc là, la pierre était utilisée pour la construction et on allait dans les carrières pour casser les pierres. Donc à notre âge, là, 9, 10, 12, 13 ans, les après-midi, après les cours, vous êtes dans les carrières. C'est vrai que c'était dur, mais ça nous a beaucoup formés, je ne le regrette pas. J'ai terminé à Kinshasa en 1958. Je me suis fait inscrire à Kinshasa, à l'Athénée royale de Ngiri Ngiri. Il y avait deux Athénées ici. L'Athénée royale de la Bombay qui était pour les Blancs. L'Athénée royale de Ngiri Ngiri qui était pour les Noirs. Athénée royale. Et c'était quoi l'Athénée alors? Ah, ça c'est belge ça. C'est vrai que vous êtes française. Oui. Et les Belges, ce sont des écoles officielles. Il y a des collèges, ça c'est pour les catholiques. Mm-hmm. Mais les Athénées, ce sont des écoles officielles. C'est l'école secondaire officielle. D'accord. Et donc, moi, je me suis fait inscrire à l'Athénée royale de Ngiri Ngiri chez mon frère et mon oncle. Ils m'ont accueilli. Alors, je faisais un tour dans le quartier ici, sur l'avenue des 24. À l'époque, ça s'appelait avenue Joséphine Charlotte, qui était la princesse belge. Vous êtes colonisé par les Belges, il faut comprendre ça. C'était l'avenue Joséphine Charlotte. Alors, je passais avec mon vélo. J'arrive devant l'Académie Beaux-Arts, je vois des sculptures, je dis, tiens,
C'est quoi cette histoire? Comme je faisais le dessin même à l'école, j'étais le meilleur dessinateur, on me demandait de faire le dessin, j'ai dessiné par terre, partout. J'entre quand même, et curieusement, on était en train de faire des inscriptions. Ah, je me suis fait inscrire, et quelques jours après, j'ai participé à l'examen d'admission, et j'ai réussi brillamment. À l'école, à l'époque, ça s'appelait Saint-Luc. L'école Saint-Luc. C'était au même endroit. Toujours au même endroit. Les grands bâtiments, c'est toujours le même grand bâtiment. Et ça s'appelait Saint-Luc, mais les Belges, parce que c'était l'État belge, avaient demandé aux frères de changer le nom Saint-Luc à l'Académie de Bourgogne. Parce qu'Académie, ce sont des écoles officielles. En Belgique, c'est comme ça. Les écoles d'art de l'État, ce sont des académies. Et les écoles de frères ou de catholiques, ce sont des Saint-Luc. Et donc, comme les Belges étaient au pouvoir, ils ont dit aux frères, vous changez votre Saint-Luc à l'académie, sinon... C'est à ce moment-là, c'est en 58 que ça a été changé ou avant? Ça a commencé à changer un peu avant. C'est-à-dire que quand nous on entrait, ça s'appelait Saint-Luc, Académie des Beaux-Arts. Et alors à cette époque-là, donc quand vous rentrez, donc il suffit de passer l'examen, un concours en fait. Oui. Il y a combien d'étudiants à peu près? À l'époque, on n'était pas nombreux. Moi, je me souviens que nous avons commencé à 11 et nous avons terminé en 7e à 3. L'enseignement à l'académie était spécial. Dans d'autres écoles secondaires, c'est 6 ans. Mais l'Académie des Beaux-Arts avait deux cycles à l'époque. Un cycle de 4 ans d'abord, qu'on appelait le cycle moyen. Et si vous terminez le cycle moyen, les meilleurs étudiants, les étudiants qui étaient brillants, continuaient au cycle supérieur de 3 ans. Donc on faisait 7 ans. Et là, quand on terminait déjà en 4e, on était de bons artistes parce que l'enseignement était très, très... Donc 11 élèves en tout et pour tout? Pour notre section, oui. La section peinture. En 58, il y avait 3 sections. Ouais. Il y avait la section sculpture qui était la plus ancienne parce qu'elle a commencé à Gombe Matadi, ouais, dans le Bas-Congo. Ouais. Et puis la section peinture, c'était la deuxième. Et la section céramique, c'était la troisième. Donc il y avait 3 sections à l'époque. Quand nous, on est entrés en 1958, il y avait 3 sections qui fonctionnaient. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, et beaucoup d'élèves. On était logés là-bas à l'Académie des Beaux-Arts, nourris. On était bien nourris dans un restaurant bien, matin, midi, soir, ainsi de suite, voilà. Et alors du coup, si je comprends bien, ça a été presque un coup de tête. Ça a été un instinct, c'est porté sur l'art, si vous saviez. Je ne savais pas que ça existait. Et je me promenais, parce que moi, les problèmes, c'est l'essentiel, c'est d'aller à l'école, d'aller étudier. Bon, il y en a qui ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils allaient faire. On s'inscrivait et puis on apprenait. Et c'est comme ça que j'étais inscrit ailleurs. Mais en passant par là, comme j'avais quand même... comment on appelle ça, des petits dons, des dessins. Quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite attiré. C'est comme ça que je suis entré là, j'ai pris mon inscription et j'ai réussi. Et il y avait une grande salle d'exposition là-bas, une très belle salle. Et c'est là qu'on exposait nos œuvres. Et les samedis, par exemple, vous connaissez l'Académie des Beaux-Arts un peu là. Le dimanche, quand vous arrivez, vous n'avez plus de place pour mettre une voiture. Il y avait tellement de visiteurs à l'époque, avant l'indépendance. Il y avait tellement de visiteurs, c'était surtout des expatriés, donc qui avaient beaucoup de moyens, et qui venaient acheter des œuvres, et ça marchait. C'est-à-dire que nous, déjà en deuxième, troisième secondaire, on savait déjà peindre et on gagnait suffisamment d'argent. Le marché était porté essentiellement. Oui, le marché. Qu'est-ce qu'on faisait comme style de peinture? Il y avait un peu tout. Il y avait des paysages, mais ceux de l'Académie des Beaux-Arts ne faisaient pas beaucoup de paysages. C'était surtout des compositions avec des personnages, parce qu'eux savaient dessiner. Et donc, je suis inscrit à l'Académie des Beaux-Arts. Je progresse vraiment sans problème et je termine mon premier cycle.
Ah, je suis heureux de dire que j'ai gagné presque tous les concours qui étaient organisés à l'Académie Beaux-Arts. C'était un plaisir. Et c'est comme ça que les frères m'avaient repéré. Et ils avaient fait de moi vraiment un chouchou des frères. De sorte qu'ils voulaient me faire un frère, que je sois un frère. J'ai dit non, moi je suis protestant. Alors ils m'ont dit non, mais tu dois changer. Ils m'ont rebaptisé. On ne baptise pas deux fois, mais on baptise sous condition. Si le premier baptême n'a pas été valable, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors moi étant déjà chrétien protestant, parce que j'ai été baptisé à l'école primaire chez les protestants, chez les catholiques, j'ai dit non. Ils m'ont dit non, vous devez être... Ils m'ont baptisé sous condition à l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà, je suis parmi les rares, nous avons été à deux, à être baptisés au sein de l'Académie des Beaux-Arts, où il n'y a pas une église. Mais les prêtres sont venus et ils nous ont baptisés à l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà, et donc je suis élève. Petit à petit, je termine mon premier cycle. Je commence le deuxième cycle de 3 ans. Quand j'étais en dernière année, les frères m'ont fait inscrire à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Liège. Je n'avais pas encore terminé ici, mais j'étais inscrit à l'Institut supérieur des Beaux-Arts de Liège, Saint-Luc. Et quand j'ai terminé, je suis parti en Belgique. C'est avec la bourse du gouvernement belge. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié à l'époque. C'est qu'on n'était pas très nombreux. Mais le jour où je suis parti, l'ambassadeur nous a même accompagnés jusque dans l'avion. L'ambassadeur, vous vous rendez compte? Je n'ai jamais oublié ça. J'ai continué mes études supérieures à Saint-Luc de Liège. En quelle année on est alors? Et là, on est en 1965. Vous êtes passé un an ou deux ans là-bas? À Saint-Luc de Liège, c'était un cycle de graduat de 3 ans. Et quand j'ai terminé, je devais faire une année de stage. Je voulais, moi, faire une année de stage. La coopération belge m'a dit, non, il n'y a pas de problème, vous le méritez. Ils m'ont encore accordé une année de bourse. Et pendant que je faisais mes stages en Belgique dans plusieurs agences belges, agences de publicité, parce que je suis en Belgique, je n'ai pas fait la peinture, j'ai fait la publicité. Donc j'ai changé d'option. Et donc, quand je faisais mes stages, je me suis fait inscrire comme étudiant libre à l'Université catholique de Louvain, en communication sociale. Et faculté de sciences politiques et sociales, département des communications sociales. Et là, comme étudiant libre, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai appris vraiment un complément d'informations que je n'avais pas à Saint-Luc. Parce qu'à Saint-Luc, c'était plus la pratique, il y avait des cours théoriques, mais à l'Université catholique de Louvain, c'était la science de la communication. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et quand quand j'ai fait mes stages et que je suivais mes études en communication sociale à Louvain, j'étais dans ma chambre un jour et je vois entrer un blanc. Un monsieur, bien, dans ma chambre. Il frappe, je dis oui monsieur. Il entre, il me dit c'est monsieur Sully. Je dis oui. Je dis il y a un problème, on se connaît. Je dis non, on ne se connaît pas, mais j'ai besoin de vous. Il m'explique, il me dit, bon, ben, je suis aussi à Kinshasa, je suis en Belgique, à Bruxelles, mais nous sommes aussi à Léopoldville. À l'époque, c'était encore... Non, c'était déjà Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa et nous avons créé une grande agence et nous avons besoin de vous pour aller travailler là-bas. Je lui dis, ah, monsieur, désolé, moi je suis prof, je serai prof à l'académie, c'est l'académie qui m'a envoyé ici, dès que je rentre, je suis prof à l'académie. Il m'a dit, non, mais vous n'allez pas donner cours tout le temps. Vous donnez vos cours, quand vous avez le temps, vous venez travailler dans notre agence. Je dis, comment s'appelait cette agence? Congo numéro 1. C'était la première agence de communication C'était la plus grande à l'époque. Il y avait des petites agences de publicité, mais c'était la plus grande. Je vais expliquer pourquoi la plus grande. Donc ça s'appelait Congo numéro 1. Parce qu'on avait une grande revue qu'on appelait la revue Zaïre. En Belgique, il y avait une autre revue de la même maison qui s'appelait Spécial. Et
Ici à Kinshasa, ils avaient une maison de production cinématographique. C'était l'unique qui produisait des films, des documentaires, des films de tout genre. Et c'était CongoVox. Ça appartenait à Pierre Davister et à Omer Marchal, qui étaient des Belges. Pierre Davister et Omer Marchal. C'était des grands journalistes belges. Ils avaient leur revue en Belgique qu'on appelait la Revue Spéciale. Et Congo numéro 1, c'était tenu par des Belges aussi? Oui. Comment s'appelle le monsieur qui est venu vous voir? C'est le nom, j'ai oublié. Lui, c'est... Non, j'ai oublié les noms, ça fait tellement longtemps. D'accord. Parce que lui est resté en Belgique. Alors, j'ai travaillé comme ça à l'Académie Beaux-Arts, prof, Congo numéro 1, chef de studio de création publicitaire. J'étais tout jeune, j'avais 26, 27 ans. Et j'avais des responsabilités comme ça. Vraiment, j'étais un peu... C'est vraiment le début enfant-phare, en fait, oui. De la carrière professionnelle. Ben voilà. Alors, quand nous, on est rentrés, quand moi, je suis rentré, mais les autres étaient là déjà, on a créé les graduats. Donc, le niveau graduat, on a créé les graduats, je crois qu'un an avant que j'arrive, on a créé les graduats. En 68. Je ne suis pas le premier enseignant diplômé gradué à l'Académie de Beaux-Arts. Il y en avait déjà deux ou trois. D'accord. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé, la publicité n'existait pas. Il y avait seulement la peinture, la sculpture et la céramique. Et moi, en 69, quand je suis rentré, j'ai commencé à enseigner en peinture, parce que j'étais peintre aussi. Mais l'année suivante, je me suis dit non, mais il faut quand même qu'on crée le département de publicité. J'ai proposé ça. Et les frères étaient contents, mais comme on faisait partie d'un conseil des instituts supérieurs techniques, il y a des établissements qui n'avaient pas accepté qu'on puisse créer la communication, la publicité à l'Académie des Beaux-Arts. C'était un combat, mais heureusement, ben, j'étais soutenu. J'étais tout jeune, hein, je criais. Parce qu'il y avait d'autres écoles concurrentes, c'est ça? Concurrentes, non, mais des écoles techniques, oui, comme l'IFACIC, l'IBTP, tout oui, ça, sont des écoles techniques et souvent on tenait des réunions ensemble. J'ai fini par les convaincre et on a créé la communication visuelle, la publicité à l'époque, à l'Académie Beaux-Arts. Au début, j'étais seul. Et j'ai donné pratiquement tous les cours comme un moniteur de l'école primaire. Et l'année suivante, nous avons fait venir un jeune belge, nous étions à deux. Et ça allait, petit à petit, nous avons formé les profs que vous voyez là maintenant, qui sont devenus autorités et tout ça. Non, non, aujourd'hui, c'est impossible. Je suis en train de crier tous les temps. Mais pourquoi vous inscrivez autant d'étudiants? Non, non, parce que dans une école de bois, l'école de l'enseignement des Beaux-Arts, c'est un enseignement individuel. Vous devez vous occuper de chaque étudiant, voir ce qu'il fait, discuter avec lui et échanger, ainsi de suite. Donc, vous prenez le temps qu'il faut pour qu'il comprenne et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Mais quand vous avez 400 étudiants, vous avez 2 heures pour faire ça. Il ne faut pas rêver. Donc, il y a des promotions, ils sont 400 là. Cette année, les années passées, ça commençait à monter il y a quelques années. Avant, on avait des classes de 30, 40, 50. Mais depuis quelques années, c'est des 80, 100. Mais cette année, ils ont inscrit pour toutes les premières années 1600 étudiants. En première année. Et donc, si vous les répartissez, dans les différentes sections, il y en a à peu près 5 ou 6. Vous avez à peu près 400 dans chaque classe. Et c'est vrai qu'à l'époque, le Congo avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent et beaucoup d'entreprises. Le Congo était parmi les pays africains qui montaient. Il y avait des grandes entreprises où les choses fonctionnaient bien, où notre monnaie était parmi les plus fortes. Parce qu'à l'époque, un zaïre valait 2 dollars. Donc, notre monnaie était plus forte que les dollars. Notre président Mobutu, c'était un président très dynamique à l'époque. Et il inventait, il voyageait, il créait, il imaginait. Il fait un voyage en Chine. Et
ils constatent que la Chine se développe bien, marche bien, mais qu'il n'y avait pas de publicité en Chine. Oh. Il rentre ici, il dit en Chine, je n'ai pas vu de publicité, pourtant ça marche bien. Ici, on supprime la publicité, c'est une distraction. Et nous qui étions dans Congo numéro 1, je vous parle un peu de Congo numéro 1 encore, hein. C'est la plus grande agence, j'avais dit, qui avait le monopole de la radio et de la télévision. Pour passer la publicité à la radio et à la télévision, vous passez par Congo numéro 1. Et donc, moi, dans mon bureau, là, je pouvais dire, bon, passez-moi ça et ça, ne passez pas, ainsi de suite. Et nous avions même, j'étais jeune, et nous avions même fait venir un jeune belge pour animer à la radio nationale notre émission. Nous avions une émission qu'on appelle boîte, ce qu'on appelait plutôt boîte postale 2244. C'est comme la boîte postale de Congo numéro 1, c'était notre boîte postale. 22h40. Donc il y a une émission tous les matins, le jeune lançait et c'était écouté dans toute la République. Il s'appelait Luc Michel. Et moi je m'appelais Lucien Sully. Donc c'était des jeunes qui rentraient de Belgique avec... quand on a défendu la publicité, bon, on a fermé tout ça. Et nous on a continué quand même timidement. Mais après nous avons fermé Congo numéro 1. En fermant Congo numéro 1, c'était des sérieux problèmes. Mais l'art a continué. À l'Académie des Beaux-Arts, c'était la grande école, c'était le grand art. Et comme le Congo avait beaucoup d'argent, les expatriés qui étaient là achetaient. Et même les Congolais, à l'époque, achetaient des œuvres d'art. Pourquoi ils achetaient? Parce que le président Mobutu avait un aide des camps. Un certain colonel Powys, qui était militaire à l'époque, Powys de Tembosch, qui était de la famille royale belge, mais qui a travaillé longtemps au Congo. Il a connu Mobutu quand ils étaient à l'armée. Et quand Mobutu est devenu président, il a dit, bon, mon colonel, je suis devenu président, mais venez travailler. Alors, il a travaillé avec lui pendant longtemps. C'était pratiquement son conseiller qui... Et il lui a fait prendre le goût de l'art. Et Mobutu a adoré l'art. Et pratiquement dans tous ses palais, dans toutes ses villas, dans tous ses bureaux, c'était pratiquement des musées, tellement il mettait des œuvres d'art. Et puis le Congo avait beaucoup d'argent, donc on pouvait acheter, on pouvait commander, il y avait... Et pas de problème. Ça faisait évidemment le bonheur des artistes que nous sommes. Ils nous envoyaient faire des expositions à l'extérieur et ici, aux frais de la grande dame de la République. Et donc, le Congo montait vraiment, c'était parmi les pays qui montaient. Il est arrivé quelque chose que nous regrettons jusqu'à aujourd'hui, c'est la zaïrianisation. Ça vous dit quelque chose? Le Congo s'appelait Zaïre à l'époque. Alors, il y avait beaucoup d'industries qui appartenaient souvent aux expatriés, parce que c'est normal, nous avons été colonisés. Donc, il y avait beaucoup d'industries, il y avait beaucoup d'entreprises et tout ça. Un bon matin, il se réveille, il dit, bon, on doit zaïrianiser le Congo. C'est-à-dire que tout ce qui appartenait aux étrangers devait revenir aux Congolais. Vous avez par exemple, je ne sais pas, une usine de fabrique de tomates. Et j'ai fait venir un cousin du village, il dit, viens à Kinshasa. Je l'amène là-bas, je dis, bon, vous voyez cette entreprise, oui, c'est à vous. Hein? Oui, c'est à vous. Et vous imaginez quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne une boîte. C'était fait d'une façon vraiment pas bien. On arrive, c'est vous le patron? Oui, c'est moi le directeur général. Donnez-moi la clé. Oui, mais c'est-à-dire, vous comprenez? Non, donnez la clé. Il donne la clé. La voiture, elle est où? C'est ça votre voiture? Oui, donnez la clé. Ainsi de suite, ainsi de suite. La caisse. Bon, qui est à la caisse? Monsieur, c'est vous le caissier. Vous vous quittez Il y a une nièce qui sera caissière à partir d'aujourd'hui là-bas, et ainsi de suite.
Et tous ces gens-là arrivent, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ça, ils ont vidé tout ce qu'il y avait. Et puis finalement, le Congo est descendu aussi bas comme vous le voyez. Le Congo n'était pas comme ça. La RDC n'était pas comme ça. La RDC était un pays où vous vous sentiez à l'aise. Et ensuite est venu ce qu'on a appelé le pillage. Vous avez déjà entendu parler du pillage. Et les militaires mécontents, parce qu'ils n'ont pas payé suffisamment, se sont dit, bon, nous, on doit se servir. Et ils ont déclenché un mouvement qu'on a appelé pillage. Donc, ils entraient partout, dans les entreprises, dans les magasins. Ils prenaient tout ce qu'il y avait. Ils ravageaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Les entreprises, ils prenaient quand ils arrivaient, ça c'est une entreprise. Ils prenaient par exemple les livres, les couleurs, les climatiseurs, les chevalets, je ne peux pas emporter, ils cassent, ils brûlent, et ainsi de suite, ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Vous voyez des entreprises brûler, prendre feu. C'était comme ça que ça se passait. À côté de chez moi, ici, vous avez les camps Kokolo, le camp militaire. Et ils passaient ici avec des histoires, volaient. Et ils ont eu une force terrible. Vous voyez quelqu'un qui est en train de passer ici avec un congélateur sur son dos là. Ils prenaient tout, hein, même dans nos maisons, chez des gens comme nous, quand ils viennent, ah, lui il a une voiture, ils cassent les portes, ils entrent, ils prennent, et vous êtes là, ils vous mettent dos au mur, mitraillette, et puis ils prennent et ils partent. Je vous raconte une anecdote que je n'oublierai jamais. Et mon ami qui était prof à l'Académie des Beaux-Arts, mais il était en même temps bourgmestre de cette commune, plus jeune que moi. Lui, il habitait un peu plus loin, au coin là-bas. Et les militaires sont entrés chez nous la nuit. Ils ont pris ce qu'ils ont pris, ils ont tiré dans la maison, ils ont traumatisé les enfants. Le lendemain, les enfants ont dit à leur papa, nous, on ne peut plus rester ici, pleurant même. Mais vous allez aller où? Oh, nous allons chez papa Lema et tout ça. Et j'ai vu les enfants arriver ici le soir. J'ai dit, mais votre papa est bourgmestre. Lui, il a au moins des gardes policiers. Moi, je n'ai personne ici. Comment je vais vous garder? Venez quand même. Et ils sont entrés la nuit. Il était 22h. On s'est enfermé. On a fermé toutes les portes. Et j'ai pris beaucoup. Hein. Ça, je vous le dis, j'ai pris beaucoup. Alors, j'ai dit, mes enfants, venez. On va prier quand même pour que Dieu nous protège. C'était des petits enfants comme ça. Et mes enfants. J'ai dit, venez quand même dans la situation où nous sommes, nous allons nous remettre entre les mains de Dieu. Nous sommes mis au salon, en train de prier. J'ai même des larmes aux yeux quand je raconte cette histoire. Alors, vers 23h, les militaires sont arrivés. Ils ont tapé au coin là-bas. Ils ont cassé. Ils sont arrivés ici. Ils ont tapé sur la porte. Allez, ouvrez, tout ça, ouvrez. Nous, on était en train de prier. Et les enfants se sont mis à pleurer. Ils sont entrés sous la table. J'ai jamais oublié ça. Et moi-même, j'avais des larmes et tout ça. Je dis, mettez-vous sous la table. Mec. Et puis, un des militaires a dit, hé, hey, arrêtez. Allez, quittez cette porte. Il y a un militaire, il y a un officier qui habite ici. Allez, dégagez. Il y a un officier qui habite ici. Allez, partez. On les a vus descendre. Ils sont allés piller plus loin et tout ça. Je n'ai jamais su expliquer ça. Voilà, ça, c'était donc deux événements qui ont fait que le Congo soit devenu... Et puis il y a eu les coups d'État, Mobutu, avec l'arrivée de l'AFDEL. Vous connaissez ce que c'est l'AFDEL? Bon, l'AFDEL, c'est la force d'alliance et de libération qui est venue mettre Kabila au pouvoir. Ah oui, ça oui, d'accord. L'AFDEL. Donc Mobutu était au pouvoir, mais Kabila qui était dans les maquis, un rebelle et tout ça, le père, pas le fils. Et qui a toujours tenté d'être président. Il s'est associé avec des rebelles rwandais, ougandais et tout ça. Et ils l'ont amené ici, ils l'ont installé. C'était une histoire. Parce que leur arrivée ici n'était pas facile. Hein. Ils ont marché. Ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de véhicules. Ils ont marché de l'Est à ici. On les a vus entrer ici à pied, en bande. Bon, ils se sont introduits ici. Et au début, c'était très compliqué parce qu'ils nous ont créé la vie difficile. Mais ce sont des événements de l'histoire que nous devons raconter ici. Et aussi, on fait des dégâts, ils ont pillé, ils ont cassé, ils se sont comportés comme des voyous, ainsi de suite. Mais bon,
petit à petit, Kabila le père a essayé de mettre de l'ordre, et ainsi de suite. Et comme il avait été placé ici par d'autres rebelles voisins rwandais, ougandais et les autres qui l'avaient accompagné, et il voulait rester, nous, on a dit, il faut renvoyer ces gens-là, il faut les payer qu'ils partent. Il dit, non, ce sont des Congolais. On a dit, ce ne sont pas des Congolais, il faut qu'ils partent. C'est là que le désordre a commencé avec la guerre de l'Est et là, et les Rwandais qui continuent à nous créer des problèmes parce qu'ils sont toujours ici depuis ce temps-là. Et parce que nous, on avait aussi des étudiants rwandais à la Kanimboza. Mais les jours même, ils étaient disparus. C'était extraordinaire. Hein, parce qu'on a fait finalement la chasse à ces gens-là, aux Rwandais et tout ça. Ici, à Kinshasa ? Oui, un peu partout. Ils étaient avec nous, ce sont des étudiants et tout ça. Ça va, ça va. Et puis le lendemain matin, plus un seul étudiant rwandais ici. Ils sont passés où ? Partis. Et c'est comme ça que depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des tiraillements entre nous et les Rwandais qui continuent à nous créer des problèmes. Enfin, ça c'est... Et je voudrais souligner un élément qui a fait aussi que l'art soit le président Mobutu, ouais. Avec son aide de camp, le colonel Powys de Tamboche, acheter des œuvres d'art, et soutenir les artistes, organiser des expositions. Et un fait qui était spécial, c'est que le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, qui s'appelait André Lafarge, qui était un Congolais, mais d'un père français ou quelque chose comme ça, et il était directeur de l'Académie des Beaux-Arts. Et il fut le professeur de Mobutu à l'Équateur, parce que Mobutu, il est de l'Équateur, il a étudié là-bas, et donc il fit son professeur. Et quand Mobutu est arrivé au pouvoir, il ne pouvait pas ignorer son ancien prof. Et chaque fois qu'il y avait un problème à l'académie, c'est tout de suite résolu, parce que le président devait faire plaisir à son prof, l'ancien prof. Et le directeur de l'Académie des Beaux-Arts proposait des œuvres au président de la République, l'aider à choisir les meilleures œuvres, ainsi de suite. Donc vraiment, ça a marché. Lui proposer de mettre tel projet, telle sculpture à tel endroit, telle peinture à tel endroit, et il lui faisait confiance et ça marchait. Mais on a connu aussi des mécènes. Je ne peux ne pas citer un certain Louis Van Bever. Louis Van Bever est encore là. Il est de temps en temps ici, il est à Bruxelles, à Abidjan, un peu partout, il est ici. Louis Van Bever était le directeur général de FNMA. FNMA, c'est fabrique de mobilier métallique, c'est usine de fabrique de mobilier métallique. Je vais vous montrer un exemple, vous voyez l'armoire là, ça c'est FNMA. Et vous voyez des trucs métalliques à l'époque, dans tous les hôpitaux, toutes les écoles, même les bars. Et il n'y avait que ça. Vous allez dans les bars, ce sont des chaises métalliques fabriquées par FNMA. Les bancs, pupitres, armoires, tiroirs, bureaux, c'était FNMA. Donc c'était un truc immense. Quand vous allez visiter là, il faut avoir un guide, sinon vous ne vous retrouvez pas. Alors lui, il était le directeur général de là, qui était aussi un grand amateur d'art, qui était notre ami. Et jusqu'à aujourd'hui, il est resté mon grand ami. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il m'appelle. Et ce monsieur avait sa maison le long du fleuve. Quand vous venez du Parlement, là où il y a le bureau du président de la République, vous descendez le long du fleuve, les villas qui sont au bord du fleuve, il avait une villa là-bas. Et c'est une belle villa. Un Italien avait fait une exposition à l'Inter. L'Intercontinental, qui est maintenant hôtel, le grand hôtel. Ah, l'hôtel Pullman. Pullman, voilà. Ça change tellement ici. Qui est devenu l'hôtel Pullman. Et il n'avait presque pas vendu cet Italien. Alors, Van Bever, qui est allé visiter l'exposition avec sa femme, lui ont proposé s'il pouvait présenter ses œuvres dans leur villa. Il a dit, il n'y a pas de problème, parce qu'ici, je n'ai pas, presque pas vendu. Alors, ils ont organisé une exposition, il était quand même PDG, il a invité tous les PDG de la ville, il avait beaucoup de relations avec les hommes politiques,
avec des officiers, enfin la grande classe, la bourgeoisie et tout ça. Il les a invités là-bas. En une soirée, il avait pratiquement tout vendu. Allô, Van. En fait, il y avait la salle d'exposition à l'Académie des Beaux-Arts, mais quels étaient les autres lieux dans les Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait la salle de l'Académie des Beaux-Arts, la salle du collège Albert, enfin le collège Boboto. Vous connaissez le collège Boboto? Ça s'appelait le collège Albert. Donc il y a une salle d'exposition là-bas, je ne sais pas, ça continue toujours, je crois. Et puis il y avait aussi chez les curés à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, là c'était juste. C'était ces deux grandes salles qui présentent. Sainte-Anne. C'est un. Je sais pas, c'est Sainte-Anne, c'est une mission. D'accord, dans Kinshasa. Oui, dans Kinshasa, en ville. D'accord. Vers la gare centrale. D'accord. Vers la gare centrale, derrière Sozacom. Vous voyez Sozacom? Oui. L'immeuble Sozacom, juste derrière, vous avez une mission, une grande mission catholique, là, c'est Sainte-Anne. Alors, le grand hôtel à l'époque n'existait pas encore, je crois. Est-ce que ça existait? Bon, oui, je crois que ça commence. Bon, j'ai un doute fort. Et l'école, le Pullman, là, comment s'appelle l'autre, là, l'hôtel du fleuve n'existait pas. Et tout ça. Il y avait Memling. Ben voilà. Donc il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour expliquer. Non, il n'y avait pas beaucoup d'endroits. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits. Il n'y avait pas de galeries privées. Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de galeries privées. Évidemment, bon, les gens qui nous ont connus venaient chez nous. Moi, je n'avais pas encore ça, mais bon, ils venaient chez nous, ils venaient acheter, ça marchait bien. C'est comme ça que nous avons eu quand même la chance plutôt, de nous faire des relations. Ça, c'est très important. Le domaine de l'art vous rapproche des hommes que vous ne pouvez pas côtoyer autrement. Et je prends des exemples comme Matata. Vous connaissez Matata? Ça vous dit que le premier ministre Matata, dont on parle maintenant, qui a fait beaucoup de grandes choses ici, un grand premier ministre, et qui venait ici, on s'assoit ici et tout ça. Tu vois, le premier ministre qui vient ici. Et il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas citer, mais beaucoup d'autres, des ministres ou des hommes d'affaires. Et Yuma, vous connaissez M. Yuma? De la FEC, de la Fédération des entreprises, qui est le patron de la GECAMI. Bon, des gens comme ça sont des grands amateurs de... Et eux achètent. Donc aujourd'hui, il y a une clientèle congolaise quand même. Et seulement ça fait ça. Quand ils sont au pouvoir, ça marche. Quand ils quittent, ça fait un peu ça. Alors, des gens comme Matata, qui fut premier ministre, a fait beaucoup aussi pour la promotion de l'art. C'est qu'il est nommé ministre des Finances. Il était d'abord au BESECO. Bureau, c'est le bureau d'études. BESECO, vous voyez ce que c'est? BESECO, c'est le bureau avec la Banque mondiale, et ainsi de suite. Il est resté longtemps là-bas comme responsable. Après, il est nommé ministre des Finances. Et il nous fréquente. Tu vois le ministre des Finances qui vient te rendre visite ici, et puis il te dit, viens au bureau, et ainsi de suite. Tu ne peux pas me mettre un tableau ici. Je lui dis, bon, ben oui, mais bon, attends un peu. Tu fais attendre le ministre. C'est que vous avez des relations. Et il y en a eu beaucoup comme ça. Et c'est comme ça que, quand vous allez aux finances, il y a, si on ne les a pas volées, un certain nombre d'œuvres d'art que ma tata a placées. Alors, j'ai cité également M. Yuma, pour citer ceux qui ont soutenu vraiment, M. Albert Yuma, qui est le président de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, qui était le président de la GECAMINE, et aussi qu'il achète des œuvres d'art. C'est un amoureux d'œuvres d'art aussi. Ils sont nombreux comme ça. Il y a des mécènes quand même. Voilà, des mécènes, tout donc à fait. Dès les années 80, 90, oui, petit à petit, ainsi de suite. Et même les autres qui ne comprenaient rien. Mais comme ils allaient chez les uns et les autres, chez les présidents et d'autres, trouvaient qu'il y a il y avait des beaux tableaux, des œuvres, ils venaient ici, ils disaient, j'ai vu chez le président, vous ne pouvez pas me faire quelque chose de ce genre. Et c'est comme ça que petit à petit, ça marche ici. Nous sommes parmi les pays africains où l'art marche, contrairement à beaucoup d'autres, parce qu'on a eu d'abord la plus grande école de beaux-arts avant, bien longtemps avant les indépendances. L'Académie des Beaux-Arts a existé, c'était la plus grande. Donc on a formé des artistes qui se produisent, qui produisent des œuvres
qu'on voit un peu partout. Ça, c'est l'avantage que nous avons eu. Et sur cette formation artistique, parce que vous dites les paysages étaient plutôt dévalorisés parce qu'ils étaient plutôt par les amateurs, pour les touristes. Bon. Donc, c'était plutôt des personnages. Mais est-ce qu'il y a un lien qui a été maintenu avec des arts traditionnels? Il y a toujours eu de la peinture ou des arts graphiques dans l'art traditionnel. Oui, tout à fait. La sculpture religieuse, bon, je sais qu'on dit toujours le fétichisme a été banni par les prêtres, justement. Est-ce que dans l'art que vous avez, qu'on vous a enseigné et que vous avez pratiqué, il y avait un... Avant de parler de la Zahira, c'est ce qu'il y avait une tendance et une influence de l'art traditionnel sur ce qu'on fait. Quelles sont vos sources d'inspiration dans les années 70? Je vous avoue sincèrement que les sources d'inspiration, c'était la vie courante, comme ça. La vie courante, la nature et tout ça. Mais rarement les œuvres traditionnelles. Jusqu'à une certaine époque, de temps en temps, hein, on s'inspirait des masques, des statuettes, mais c'est rare, en peinture surtout pas, en sculpture un peu, mais très peu. C'est un peu plus tard que les mouvements s'est développé. Ah, vous m'aviez parlé des mouvements. Il y a eu d'abord les avant-gardistes que nous avons formés, nous avons créé ces mouvements, un certain groupe d'artistes, nous avons créé les avant-gardistes, qui a fonctionné pendant une période. Après, ça s'est disloqué. Nous, on a créé un mouvement qu'on a appelé les grands ateliers. Alors, les grands ateliers réunissaient les plus grands. Enfin, si nous étions les plus grands, je ne sais pas, mais c'était les plus grands parce que nous étions des enseignants, des profs. C'était nous qui trônons un peu. Et là, on était à peu près 6 ou 7. Je peux le citer. Il y avait Liolo, Mavinga. Liolo, c'est un sculpteur. Mavinga, peintre. Tamba, sculpteur. Lemakusa peintre, Ndamvu peintre, Bamba céramiste et Mokengo céramiste. Nous étions 7. Alors c'est un mouvement qui a fonctionné d'une manière. Chacun travaillait chez lui, mais nous nous réunissions une fois par mois. On allait chez chaque artiste voir ce qu'il réalisait. Alors on voyait ses travaux, on critiquait, on pouvait lui dire, mon cher, ça tu peux casser, ça tu et puis fait, voilà, ça c'est très bien, et puis on discutait, on échangeait, ainsi de suite. C'était un mouvement très bien. Alors, puisque nous étions des aînés, les jeunes ont créé un autre mouvement qu'ils ont appelé les sabléistes. Les sabléistes, c'était à cause de la crise. Il n'y avait plus de matériel, de couleurs, ils n'avaient pas la possibilité d'acheter des couleurs. Alors, ils ont commencé à travailler avec du sable. Du sable qu'il colorait un peu avec un peu de poudre et puis il mettait de la colle sur la toile. Au lieu de mettre de la couleur, de la peinture, il mettait du sable coloré. Et on les appelait les sabléistes. Et puis il y a eu un autre mouvement, vous l'avez cité ici, les libristes. Et les libristes, c'était un ami qui était critique d'art, qui a donné des idées aux jeunes que nous on critiquait beaucoup, et on dit ça vaut rien et tout ça. Alors ils ont dit bon ben nous sommes libres, on devient des libristes, ils vont faire des histoires librement, où ils se sentent vraiment une expression libre. Ils se sont appelés libristes. Ça a fonctionné, chaque mouvement a fonctionné. Et donc voilà, quelques mouvements, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est surtout ça les plus grands. Kalama, c'est un jeune, c'est même mon fils. Il est arrivé quand? Je ne saurais plus. Il est directeur, je crois, ça fait 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans quand même? Oui. Qui est-ce qui nomme les directeurs? Le ministre. C'est le ministre. Le ministre, mais vous savez comment les choses passent ici? C'est passé ici. C'est un problème de relations d'homme et cousin ou l'enfant d'un, et ainsi de suite. Mais bon, mais Kalama, lui, il le mérite, il est dynamique. Il s'intéresse aux arts? Kalama, ouais. C'est un artiste et c'est un peintre. C'est un artiste lui-même. C'est un peintre, donc c'est très bon étudiant, très dynamique. On est resté très attaché. Quand il a terminé, nous l'avons retenu et il a enseigné un peu. Et puis il a obtenu une bourse pour la Chine et il est parti en Chine. Après, quand il a terminé là-bas, il est revenu. Il a continué à enseigner à l'Académie Beaux-Arts. Il a souhaité continuer pour faire son doctorat.
Il est rentré en Chine, il a fait son doctorat, il est revenu prof à l'Académie des Beaux-Arts. Finalement, il a été nommé DG. Il est DG à l'Académie des Beaux-Arts. Les derniers religieux, c'était Lafarge. C'était Bembika Lafarge. Dans les années 60, quand il est devenu directeur, c'était dans les années, dans les années 60, 67 quand même, dans les années 67. Ah, il est resté très longtemps, parce que c'était les professeurs du président. Il est resté très longtemps, il fut même en même temps directeur de l'Académie des Beaux-Arts et directeur de l'Institut des bâtiments et des travaux publics. Donc, il cumulait. Voilà. Et j'ai vu que les cours qui étaient donnés aux étudiants, je reste toujours sur la peinture, il y avait quand même pas mal de cours d'histoire de l'art, de théorie. En fait, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on met dans la tête des étudiants aujourd'hui. Il y a la technique, ça c'est une chose. Mais il y a aussi, est-ce que l'art a une fonction sociale? Est-ce que l'art, quels sont les rapports de l'art avec la société, avec le pouvoir, avec qu'est-ce qu'on enseigne aux étudiants? Est-ce qu'on leur enseigne l'histoire de l'art en Europe, aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? L'histoire de l'art congolais, est-ce qu'elle est enseignée? Enfin, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui en C'est ça. Voilà, en histoire et théorie. C'est vrai que des pays comme le nôtre, pour ceux qui réfléchissent un peu comme vous et moi, et connaissons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons l'influence de toutes les cultures. Parmi les enseignants, il y en a qui viennent de Bruxelles, de la Belgique, il y en a qui viennent de la France, il y en a qui viennent de l'Angleterre, comme vous appelez, Grande-Bretagne, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui ont été formés sur place ici. Et bon, et nous avons toutes les tendances. Et de sorte qu'il est même difficile de définir exactement qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous sommes. Parce qu'à l'Académie des Beaux-Arts, vous dites niha, niha, on vous répond niha, 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 parce qu'il y a des enseignants qui ont étudié en Chine. Et vous dites, ah, il y a des enseignants qui ont étudié aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui vous parlent comme s'ils étaient anglais ou américains. Et vous parlez en français à Lingala, ben, les Congolais, ils sont là. Donc, il y a de tout ici. Et alors, qu'est-ce que nous donnons comme enseignement? Nous essayons d'étudier un type d'enseignement où le Congolais doit se retrouver, doit être capable de résoudre ses problèmes. Mais ce n'est pas facile. Parce que le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Et tout est... nous sommes, comme on dit, c'est devenu, comme disent les écrivains, village... mondial, universel. Même notre parler, quand je parle lingala, dans une phrase, s'il y a 10 mots lingala, il y a peut-être 5 qui sont français. Alors, nous devenons quoi ici? Nous parlons quoi? Et c'est des sérieux problèmes. Nous voulons former des artistes. Parce que c'est ça notre rôle. Mais l'enseignement, ça c'est mon point de vue. L'enseignement théorique semble prendre beaucoup de place, beaucoup d'importance dans l'enseignement pratique. Pourquoi? Ça, c'est mon point de vue. Ça peut ne pas être valable, mais c'est mon point de vue. Parce que moi, j'ai terminé dans les écoles de Beaux-Arts. Je suis allé faire un tour à l'Université catholique de Louvain. Et je ne me suis pas limité à ça. J'ai fait aussi une licence ici, à Kinshasa, une licence en sciences de l'art, où il n'y a pas de pratique peinture, mais c'est de la théorie et tout ça. Voilà. Et donc, nous avons des enseignants qui sont tout ça ou qui ont tout ça. Mais nos étudiants, qu'est-ce qu'ils doivent avoir? Moi, si on demandait mon avis, on devrait revoir peut-être les programmes. Parce que je constate que l'enseignement théorique prend trop de place. Je vous avoue sincèrement que des pays en voie de développement, nous ne sommes plus en voie de développement, des pays comme les nôtres, nous avons de sérieux problèmes parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Et vous ouvrez la télévision, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes là, les journaux que vous suivez, c'est vraiment c'est un peu ça. Et donc nous devenons des mondialistes.
si vous voulez. Des mondialistes, c'est capable de parler de tout et de rien, et n'est plus se situer. Alors l'influence que nous avons de l'art traditionnel, c'est une question, je crois, que vous avez posée aussi. Et il y a des courageux qui ont essayé de sortir de la ligne traditionnelle, c'est-à-dire des personnages couramment comme on les fait, et qui se sont inspirés de l'art traditionnel. J'avais un atelier, un grand atelier de peinture sur les boulevards. Il y a des jeunes qui avaient terminé, notamment Botembe. Vous avez entendu parler de Botembe? Botembe a terminé à l'Académie de Bruxelles, l'Académie royale de Bruxelles. Il rentre ici, nous l'engageons comme assistant. Alors, il vient dans mon atelier pour me dire, « Ah vieux, je voudrais travailler avec vous. » Je dis, « Il n'y a pas de problème, il y a d'espace. » Surtout que c'est le frère d'un ami. Alors, il a travaillé avec moi. Mais quand il travaillait avec moi, il faisait presque rien. Il faisait des petits trucs, mais quand il rentrait chez lui, il faisait autre chose. Et lui ne savait pas bien dessiner. Il ne savait pas bien dessiner. Il a fait l'Académie Beaux-Arts de Bruxelles, mais il ne maîtrisait pas les dessins. Alors, il s'est lancé dans l'art traditionnel. Vous savez, dans l'art traditionnel, c'est difficile de dire, ah là, il y a une faute, là, il y a les proportions ne sont même pas respectées, on peut mettre une grosse tête sur un petit corps, ainsi de suite, ça c'est l'art traditionnel. Et lui, il s'est lancé là-dedans. Et il s'est donné vraiment de s'inspirer de l'art traditionnel. Alors, il y avait un professeur à l'université catholique, un certain professeur Moudiji. C'était un l'abbé Monseigneur. Lui faisait des recherches sur l'art traditionnel. Et quand il a rencontré celui qui peint l'art traditionnel, il a trouvé que c'était intéressant. C'est pour lui donc un support de sa théorie. Parce que l'autre peignait l'art traditionnel et lui écrivait sur l'art traditionnel. Mais alors, avec la peinture de Botembe et ce qu'il écrivait, il y a eu un soutien. Et il a beaucoup écrit sur Botembe. Et Botembe n'a peint que l'art traditionnel parce qu'il ne savait pas bien dessiner. Et il a formé une école. Des gens qui sont entrés dans son école, comme Diki Songele, je ne sais pas si vous avez entendu, il est prof à l'académie aussi. Et c'est comme ça que l'art traditionnel a commencé à prendre, à avoir de l'emprise sur la création artistique maintenant. Il est décédé. Bon, il y en a qui continuent à faire un peu comme lui, copie comme Diki Songele. C'est lui qui gère la galerie de la Tembe. C'est une grande banque. Ils ont aménagé tout un étage. C'est un super galerie. C'est la banque. Ils ont aménagé et celui qui veut exposer, les artistes exposent dans cette galerie. D'accord. Donc c'est un des endroits où on peut exposer aujourd'hui. C'est pour le moment, c'est un des meilleurs endroits. Donc il y a plusieurs tendances en fait à l'académie. Et pour le moment, plusieurs orientations. Oui, pour le moment, il y a plusieurs orientations. Le directeur général, par exemple, lui, vous avez déjà vu ses œuvres? Non. Lui, il est dans l'abstraction. Moi, je peins aussi l'abstraction et le figuratif, mais plus le figuratif. Il y a d'autres peintres que vous avez déjà entendu parler qui sont grands, Mavinga. Si vous ne le connaissez pas, je vous le montrerai. Il y a eu un peintre extraordinaire comme Ndamvu. Il est décédé, celui-là. Kondebila, il est décédé. Il y en a beaucoup. Kambaluesa, il est décédé. Il y a beaucoup qui sont décédés, nous dit, nous fait grâce. Il y a des sculpteurs comme Liolo, vous avez entendu parler. Il est décédé, Tamba décédé, Ouma décédé. Donc vous me disiez que les enseignants se sont formés un peu partout. Il y a des bourses avec la Belgique, ça bien sûr, mais vous m'avez parlé de bourses avec la Chine. Avec la Chine de plus en plus. Il y a des enseignants qui viennent d'autres pays. Comment ça se passe le recrutement des enseignants ici? Et le recrutement des enseignants, nous avons d'abord notre établissement, nous. Nous formons des jeunes gens. Quand ils terminent, nous voyons s'ils peuvent nous apporter quelque chose, nous les retenons. Il y en a qui terminent ici, qui trouvent une bourse,
qui vont. La Chine fait de plus en plus beaucoup pour. Ouais, ouais. C'est comme ça. Là, donne des bourses et les étudiants vont en Chine. C'est le cas du directeur général. Il a terminé ici. Il est allé faire son master en Chine. À Shanghai Je ne sais pas trop. Non. En Chine. Et puis il est revenu, il est reparti pour faire son doctorat. Il est le premier à avoir fait le doctorat en art ici parce que ici ça n'existait pas. Et puis il y en a eu d'autres qui sont partis également en Chine et qui ont fait les masters. Voilà, ils sont quelques-uns à l'Académie Beaux-Arts. J'ai vu qu'il y avait une section conservation, restauration des œuvres d'art. Vous m'avez dit qu'elle n'avait pas été ouverte depuis très longtemps. Ça fait 3-4 ans que ça existe. Est-ce qu'elle a été créée en vue de la restitution des œuvres de Terre Rurale? Où est-ce que ça en est, cette question? Parce que vous me disiez qu'il y avait éventuellement un musée au sein de l'Académie des Beaux-Arts qui avait été envisagé. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Bon, cette histoire... Toutes ces œuvres congolaises qui sont en Belgique, et est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'elles reviennent? Quel problème ça pose? C'est un sérieux problème, en effet. C'est vrai que ce sont nos œuvres. Les Belges n'ont jamais dit non. Ils reconnaissent que ce sont nos œuvres. Et partir là-bas plutôt, de quelle manière, on n'en sait rien, mais ça se trouve chez eux. Ils reconnaissent que ces œuvres appartiennent aux Congolais. Et nous les restituer... Au début, c'était un problème. Maintenant, de plus en plus, ils sentent la pression et ils commencent à se dire, bon, mais c'est vrai que ce sont leurs œuvres, est-ce qu'il faut les restituer? Nous sommes tous d'accord qu'on restitue les œuvres, qu'ils reconnaissent que ce sont les œuvres. Et ça, c'est déjà une étape. Le grand problème, où moi, je ne suis pas d'accord, et peut-être beaucoup d'autres Congolais, c'est la conservation. Nous n'avons pas un musée ici. Vous avez déjà été à Terre Virène? Terre Virène, c'est un bazar, c'est un musée extraordinaire. Quand vous y entrez, et vous n'avez pas envie de repartir. Vous vivez là-dedans, même dans des forêts, vous vivez dans les forêts, les animaux dans les forêts, les oiseaux, ainsi de suite, vos sculptures et tout ce que vous voulez. C'est à peine si, enfin, j'ai jamais vu une sculpture parler, mais c'est à peine si elle ne vous parle pas tellement, on les a fait vivre, on les a placés dans des contextes tels que ces sculptures, ces œuvres, parle. Et lorsque vous passez devant certaines sculptures, c'est à peine si vous ne pouvez pas les toucher pour dire ça c'est mon ancêtre, hein, ainsi de suite. C'est tellement vivant. Parce que c'est placé dans un cadre bien approprié. Vous avez déjà été à Mongaliema? C'est rien, il n'y a rien. Les œuvres sont dans des tiroirs, dans des réserves. Maintenant, à la fois. À l'échanger. Attendez. J'ai pas encore été. Je vais y arriver. Et à l'époque de Mobutu, il aimait l'art. Il a compris la valeur de l'art avec le colonel Powys. Il y avait un frère Cornet qui a écrit un grand livre sur l'art traditionnel congolais. Vous avez déjà vu ça? Un grand livre. Je l'ai prêté à quelqu'un. Je vous le montrerai. C'est un grand livre sur l'art traditionnel. Alors, avec Mobutu, ils ont sillonné le Zaïre, dans les villages, dans les recoins, pour acheter, récupérer les œuvres qu'ils pouvaient récupérer. Ils ont fait ça pendant des années, avec le soutien de la présidence. C'est la présidence qui finançait les frères Cornet, là, avec le soutien des colonels Powys, qui était, lui, militaire. C'est un officier, donc ça... Et ils ont pu récupérer à l'intérieur, dans le village, en province, beaucoup d'œuvres qu'ils ont amenées ici, au Mongaliema. Et Mobutu leur avait donné cette réserve du Mongaliema, où ils ont stocké les œuvres, avec l'espoir de construire un grand musée. Et ceci étant fait, on avait beaucoup d'œuvres. Et nous avons commencé à insister pour que les Belges aussi nous donnent ce qu'ils ont. Les Belges nous ont dit, où vous allez les mettre, où? Alors les présidents Mobutu et Powys se sont dit, bon, mais il faut quand même faire un semblant de musée. Ils sont venus à l'Académie des Beaux-Arts. Ils ont dit, votre salle d'exposition, nous allons l'utiliser comme un musée. Nous, on a dit, il n'y a pas de problème. Ils l'ont réaménagé un peu et
on en a fait les musées de Kinshasa. On ne pouvait pas tout mettre, ce n'est pas une grande salle. Mais on changeait régulièrement. Les œuvres qui venaient de Mongaliema, on les exposait à l'Académie des Beaux-Arts pendant une période. On changeait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au départ de Mobutu, les mouvements n'étaient plus réguliers, ainsi de suite. Et on venait d'aménager l'échangeur de Limité. On a construit ce truc qui était un monument formidable. Il n'était pas terminé, malheureusement. Mais c'est un monument formidable. Il n'était pas terminé. Et quand on n'avait plus de problème, de place pour mettre les œuvres, ils se sont dit, bon, on peut en faire un musée. Ils l'ont aménagé, mais je pense qu'il n'y a pas encore des œuvres traditionnelles là. Les œuvres traditionnelles sont généralement gardées au musée, plutôt à Mongaliema. À un moment, on les exposait à l'Académie des Beaux-Arts. Mais comme ils ont ouvert le musée ici, que les Coréens ont construit un petit musée, c'est, merci heureusement qu'ils l'ont construit. Et on essaye de mettre quelques histoires, mais c'est pas approprié, c'est pas grand. Donc jusqu'ici, nous n'avons pas de musée. Et donc, les Belges avaient dit, avant qu'on venait remettre les quelques œuvres que vous réclamez, il faut un musée. C'est comme ça qu'ils sont venus aménager la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts pour recevoir les œuvres qui devaient venir de Terre Virène. Effectivement, quelques œuvres sont arrivées et on les a placées à l'Académie des Beaux-Arts et ont changé Mongaliema, Académie des Beaux-Arts, ainsi de suite. Maintenant, nous continuons à faire du bruit parce que ce qu'ils nous ont restitué, c'est rien. Et les œuvres sont encore à Terre Virène. Mais où les mettre? Tout ce que moi, si on me demandait mon point de vue à moi, les Belges doivent nous restituer les œuvres parce que c'est notre propriété. Mais en attendant qu'on aille un musée, qu'on les garde à Terre Virène. Mais qu'on se mette d'accord que les œuvres rentreront au Congo quand nous aurons des infrastructures pour les recevoir. Moi, c'est comme ça que je vois les problèmes. Évidemment, il y en a qui disent, non, ça doit rentrer, mais beaucoup étaient déjà là. Les œuvres qu'on avait récoltées à l'intérieur par le frère Cornet, beaucoup sont partis, volés, disparus. Oui, il n'y a pas d'inventaire. Il n'y a pas d'inventaire, beaucoup sont partis ailleurs. Il y a un moment aussi qui a été apparemment, en tout cas du point de vue occidental, qui a été intéressant ici, c'est 2003, Wenze, et puis le début de la collaboration avec avec l'École des arts décoratifs de Strasbourg. Et donc en 2003, il y a ce happening qui se déroule à l'Académie avec l'accord du directeur de l'époque. Avec Strasbourg. Avec Strasbourg. Comment vous avez vécu ce moment-là? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez à l'époque? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle façon de faire l'installation du happening? Bon, effectivement, j'étais vraiment dans le bain parce que j'étais secrétaire général académique à l'époque. Donc la deuxième personnalité de l'établissement, après le directeur général, c'était moi. Et quand on a commencé ces projets, ils sont arrivés. Et puis, ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient faire. Mais il y a eu un problème, un sérieux problème avec moi, parce que j'étais quand même le responsable de l'enseignement, le patron de l'enseignement. Et ils sont arrivés, ils ne se sont pas mis vraiment d'accord avec la Canbosa pour dire qu'est-ce qu'on allait faire. Ils ont commencé à faire des trucs à leur façon, organiser des performances, des installations, des trucs impossibles. Finalement, j'ai dit non, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Et puis, il y avait des performances, je ne sais pas comment vous appelez ça, organiser des scènes, des gens qui font des trucs impossibles, il y en a qui sont presque nus, qui font... Je vous dis, ils ont même été ramassés, tu vois, devant le grand atelier de sculpture. Vous voyez l'atelier de sculpture? Il y a un parking, et puis il y a une pelouse de l'autre côté, et puis vous avez l'IBTP de l'autre côté. Ils ont organisé une installation là-bas. Ils sont allés ramasser des immondices à travers la ville, des boîtes de conserve, des trucs pourris. Ils sont venus les déverser là-bas. Et puis, ils ont même attrapé, je ne sais pas, des hiboux quelque part là. Un hibou
c'est un hibou qu'on dit, vous qui parlez français. Bon, hibou, ils l'ont attaché là un fil, et puis vraiment des trucs impossibles. Mais il y avait des étudiants avec eux. C'est, bon, mais puisqu'ils travaillaient avec nos étudiants. Ah, donc ils ont non, ça dit que nous, voilà, nous on leur a dit, bon, ok, vous travaillez avec les étudiants, ils sont là, et tout ça. Ils ont fait des trucs comme ça. Et il y a une exposition devant là avec toutes ces saloperies, excusez-moi les termes. Et les gens venaient, mais les gens, comme nous, je me disais, mais ça va pas, c'est cette histoire. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés là. Mais il y a des étudiants qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Mais comme ils voulaient aller en Europe, parce que s'ils trouvaient que vous êtes, ils s'arrangeaient pour vous donner une bourse et vous partez en Europe. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont allés à Strasbourg, que nous on ne trouvait pas de bons étudiants, mais qui ont marché avec leur politique, avec leur projet, et qui sont allés à Strasbourg. Et la plupart, quand ils sont revenus, nous ne voyons pas ce qu'ils pouvaient faire à l'académie. On ne les a pas récupérés parce que bon, vraiment... Et donc voilà, c'est comme ça que... C'était vraiment un plaquage. Bon, c'était un plaquage, mais c'est-à-dire que ce que j'ai pu tolérer, je me suis dit, bon, nous on est trop classique, 2 × 2 = 4. Mais eux peuvent vous dire 2 × 2, ça peut faire aussi 6, hein, si vous voulez, ça passe. Et bon, puisque c'est tolérable, bon, voilà. Et donc ça, moi je pense que si on peut les tolérer, ça permet aux étudiants un peu de passer au-delà. Au lieu de respecter, de suivre toujours les principes, on peut exploser et faire des trucs peut-être inattendus. Sur ces plans-là, ben, je trouvais que ça pouvait passer. Mais j'avoue sincèrement que je n'avais pas beaucoup apprécié les trucs de Strasbourg. Ça a duré 10 ans, cette année. Ça a duré, ça a beaucoup duré. Même des professeurs, même des professeurs sont allés à Strasbourg, mais nous ne voyons pas vraiment, moi je ne suis jamais allé à Strasbourg. Vous pensez que ça n'a pas laissé de traces? Si, ça a laissé des traces, parce que ça a permis aux étudiants d'avoir peut-être une certaine liberté dans les façons de création. Parce que quand je vous dis, ben, pour dessiner, il faut tracer avec une latte, mais l'autre viendra vous dire, ah, tu peux tracer avec comme ça, ça va aussi, et ainsi de suite. Vous essayez, il y a des gens qui viendront dire, oui, mais c'est bon. Et puis, ah, mais nous aussi, on dit, bon, peut-être que nous, on n'a pas osé, mais ils ont osé, mais puisque c'est bon, avançons. Ah bon. Et donc on sent votre foi dans votre travail, sur cette volonté de donner de l'amour en fait. Hein. Mais est-ce que vous peignez des scènes bibliques? Est-ce que ça vous est arrivé? Des scènes bibliques au début quand j'étais jeune artiste, oui. Mais maintenant je trouve que, excusez-moi, acceptez ça comme vous voulez, je trouve que la Bible, c'est nous. La Bible sans nous n'est rien. Et ce qui est dans la Bible, c'est nous, c'est de nous qu'on parle. Et donc, ça fait partie de notre vie, de notre existence. Nous sommes chrétiens, mais on n'en peut rien. Et quand je fais quelque chose, il y a des choses que je ne peux pas faire, parce que dans nos enseignements bibliques, ce n'est pas bien, je ne le fais pas. Mais il y a des choses que je dois faire, comme tout à l'heure j'ai parlé de la femme, Dieu a voulu, nous a créé à son image, et donc je rappelle à l'homme que vous n'êtes pas créé pour vivre malheureux, et je vous présente des images comme vous devez être. Et c'est comme ça que même quand je peins, j'entre dans mon atelier, je ne me sens pas seul. Je suis seul, c'est vrai, mais je ne me sens pas seul, parce que quand je ferme les yeux, des idées qui viennent de partout. Et j'ai toujours donné l'exemple, je l'ai peut-être déjà dit ici, d'un tube, le tube qui nous éclaire ici. Ce tube nous donne beaucoup de lumière parce qu'il est connecté au fil conducteur d'énergie. Et si vous le détachez du fil conducteur d'énergie, ça va être un élément comme tous les autres et ça ne va plus éclairer. L'artiste, c'est la même chose. Et il y a un créateur. Tout a été créé, tout existe et nous ne faisons qu'interpréter. Et vous comprendrez mieux, vous le verrez mieux lorsque vous fermez les yeux et que vous vous connectez au créateur qui est Dieu. Il y en a qui ne croient pas, mais moi je crois, c'est comme ça.
Et quand je me connecte, c'est comme ça que j'ai dit que des idées me viennent de riches, des idées assez intéressantes, assez significatives, assez riches. Et quand je me mets à peindre, souvent on a des problèmes. Parce que vous avez vu tellement de merveilles que la main humaine est incapable de traduire, de reproduire ce que la nature, ce que le créateur vous a montré. Et donc moi, ma source d'inspiration, c'est d'abord celle-là. Je ferme les yeux, des idées impossibles m'arrivent. Mais j'observe aussi, quand j'observe mon entourage, je suis attiré par la femme qui est une source d'inspiration intarissable sur tous les plans. Il suffit de savoir la regarder d'une façon correcte. Et c'est une source d'inspiration insondable. Devant la femme, c'est une beauté. Je l'ai déjà dit peut-être ici. Et Dieu, quand il a créé, il s'est arrêté par la femme. Vous savez pourquoi? Il a créé tout, la nature, le ciel, la terre, les animaux, les eaux et tout, l'homme. Bon, c'était bien. C'est quand il a trouvé qu'il manque quelque chose, c'était la femme, qu'il a créé la femme et c'était très bon. Il a dit que c'était très bon. Et toute la création s'est arrêtée par la femme. Il y a une raison, non? Pourquoi ça s'est arrêté là? Et moi, chaque fois que je peins, je ferme les yeux, je vois la femme. Je vois cette beauté de la femme sur tous les plans. C'est extraordinaire. Elle est belle, elle est d'un cœur, elle est humainement, elle nous porte, elle nous supporte. On vit à l'intérieur de la femme pendant des mois. Vous vivez là-dedans, vous mangez, vous bougez. Elle vous dira, touchez ici. J'allais dire en lingala, Simba, ça veut toucher. Regardez, il bouge à l'intérieur. C'est tout un univers. Nous avons organisé, comme vous avez dit tantôt, la fête, le truc de boxe, là, de oui, Ali. Le Kin 74. Voilà, Ali Foreman, c'était nous, en fait. Il y avait James Brown qui venait. Ouais, quand même, hein? Mais c'était une. En ce moment-là, la RDC, qui était les Zaïre, était vraiment un pays qui montait. Ouais. Si on avait continué cet élan, aujourd'hui, nous serions un pays développé. Et c'était un événement important parce que beaucoup de gens sont venus de par le monde et sont venus ici. Et il y avait beaucoup d'activités. Et moi, personnellement, j'avais une agence de publicité après la fermeture des Congo numéro 1. Parce que j'avais dit que Mobutu, après son voyage, il a fermé tout ce qui était publicité. Moi, j'ai fermé aussi, le Congo numéro 1 est fermé, j'ai créé une maison d'architecture d'intérieur, de décoration. Et là, j'étais invité à travailler pour la fête, pour le combat à Ali Foreman. Alors, quel était mon rôle? Mon rôle était à partir de la ville jusqu'à l'aéroport. Barrer ou cacher les endroits qui n'étaient pas très corrects, très propres, et ainsi de suite. Et donc, si vous avez votre parcelle sur les grandes artères, là, comme les boulevards, l'avenue Kassavubu et tout ce que vous voulez, 24, j'ai passé devant votre parcelle, j'ai trouvé que votre bicoque n'était pas présentable. Je venais avec mon équipe, je mettais des panneaux, là, des panneaux publicitaires. Donc, on fermait carrément votre parcelle. De sorte que ceux qui vous passaient dans la rue ne pouvaient pas voir ce qui se passe derrière les panneaux. Donc, je mettais des grands panneaux devant votre parcelle et on collait des affiches « Ali Foreman ». Donc, de la ville jusqu'à l'aéroport. J'avais... C'est énorme, Mais j'avais de l'énergie, j'avais une équipe, j'avais des... Le maquilleur, quoi. Voilà. Et donc... Quand on trouvait que votre parcelle n'était pas très... On arrivait, on déposait chevrons, triplex panneaux et tout ça, on bouclait. Et puis le lendemain, on vient, on colle des affiches à Ali Foreman.
get up and do my thing. Moving. Moving. I want to get into it. Can I get into it? I mean moving. Doing it. Et l'école de Lubumbashi, nous avons une école de beaux-arts à Lubumbashi, mais du niveau secondaire. Du niveau secondaire. Mais déjà, à l'époque, même avant l'indépendance, il y a des personnes, des gens qui soutenaient l'art, qui ont créé des centres de formation et qui apprenaient aux gens... qui étaient intéressés, qui leur apprenaient la peinture. C'était d'une manière artisanale, mais petit à petit, on a quand même formé un genre, des tendances, c'est les poules de Lubumbashi, les poules de Kinshasa. Et c'est comme ça que petit à petit, l'Académie, l'École des Beaux-Arts de Lubumbashi va être créée aussi. Mais c'était des particuliers qui avaient commencé avec des ateliers, des gens qui voulaient peindre la peinture, qui eux-mêmes n'étaient pas artistes, mais ils avaient les moyens, ils leur achetaient des couleurs, du matériel pour travailler. Et c'est comme ça qu'en les guidant, non, ne faites pas ça, et travaillez plutôt dans ce sens, et que petit à petit, vous avez des gens comme les Mwenze, les Pilipili, ça vous dit quelque chose? Voilà, qui sont de ce côté-là de Lubumbashi. Et ici, à Kinshasa, il y avait aussi des gens comme Aladef, qui étaient des Portugais, Aladef, je crois que c'était un Portugais ou quelque chose comme ça, qui était un homme d'affaires, qui avait beaucoup d'affaires, mais qui adorait l'art. Et moi, j'étais jeune élève à l'Académie des Beaux-Arts, j'étais tout petit, je faisais des petits trucs, et j'ai entendu parler de lui, et je suis allé le voir dans sa résidence. Il avait beaucoup d'argent, il était super riche, il avait des entreprises, mais il était d'une simplicité. J'arrive chez lui, on me dit, vous venez faire quoi? Je voudrais voir les patrons. Je dis, petit, vous allez voir les patrons pour faire quoi? Non, mais j'avais des petits dessins. Alors, comme il savait qu'il aimait des petits dessins, on m'a fait entrer. Je les trouve en culotte dans son salon. Un salon entouré de trucs, des œuvres d'art, sculptures, peintures, des bricolages. Il était même assis sur des trucs. Alors, je l'ai trouvé assez. Et il était très simple. Un milliardaire. Ah, il me dit, petit, tu veux quoi? Je dis, non, j'ai des... Mais il les regarde, il dit, bon, ça va, c'est pas mal, mais ce n'est pas encore ça, voilà. Travaille comme ceci, travaille ça, ça et ça.
et puis tu viens me les montrer. Et il vous guidait même. Il s'appelait Aladef, Maurice Michel, Maurice Aladef. Et c'était parmi des gens qui ont encouragé, qui ont supporté, mais qui ont soutenu. Et Maurice Aladef. Et voilà. On a quand même un autre pool à Lubumbashi. Oui, alors, donc il y a l'Académie Lubumbashi. Ce pool-là va continuer et ça va devenir finalement une école. Pendant qu'on a créé l'Académie des Beaux-Arts ici à Kinshasa, là c'est encore, on appelle ça Académie de Lubumbashi, mais bon, c'est une école, une petite école secondaire. Il n'y a pas le supérieur comme ici. Non, c'est pas, il n'y a pas de supérieur comme ici. Oui, des artistes qui sont formés, qui viennent continuer leur supérieur ici. Et ça continue. Et Pilipili, il n'a pas étudié dans les écoles des Beaux-Arts. Non, non. Il n'a pas assez. Des gens qui étaient formés par des mécènes, comme Aladef ou ceux de Lubumbashi, qui ont formé Pilipili, Mwenze, Kibwanga, et ainsi de suite. Mais d'autres jeunes ont fait l'école secondaire là-bas et ils sont venus continuer les supérieurs ici. Et ça continue comme ça d'ailleurs. Il y a eu une autre école à Kananga. Kananga. Oui. Kananga, qui était l'ancienne Lulwabu. Et donc là, il y a aussi une école d'art, mais qui, pour le moment, ne va pas très bien du tout. Ça n'existe pratiquement plus que des noms. D'accord. Et donc la grande école, c'est ce qui est malheureux. La grande école, c'est l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui reçoit malheureusement ou heureusement et beaucoup trop d'étudiants que les encadrés posent problème. Parce que dans une école des Beaux-Arts, lorsque vous avez une classe de 400 étudiants, une bonne classe dans une école des Beaux-Arts, si vous avez une dizaine, une quinzaine d'étudiants, c'est bon. Mais 400, c'est normal parce que le pays n'a que l'Académie des Beaux-Arts. Donc il faudrait qu'on crée d'autres écoles des Beaux-Arts à travers le pays. Le pays est assez grand. Et parmi les pays les plus grands d'Afrique, si ce n'est pas les plus grands, et donc, il faut créer d'autres écoles parce que nous recevions aussi des étudiants qui viennent d'autres pays. Peut-être. Des étudiants qui viennent de fin fond du pays, jusqu'ici. De notre pays. Ouais. Oui, oui, oui. Des gens qui viennent de l'Est. Qui viennent de l'Est, et ils sont nombreux ici. Qui viennent de l'Est. À l'Académie. Oui, ils sont nombreux. Oui, oui. Parce que c'est des passionnés qui veulent faire art. Absolument. Ils sont très nombreux qui viennent de l'Est et qui viennent du Nord, du Katanga, de l'Équateur, de la province orientale, des Bandundu, ils sont nombreux partout, ici. Oui, ouais, c'est partout. Vous savez, Kinshasa, c'est la capitale, hein, c'est la capitale, et on vient sans problème. Et tout le monde veut venir à Kinshasa parce que les autres villes ne se développent pas comme Kinshasa. Et donc, ils viennent très nombreux, et c'est comme ça que nous sommes dépassés. Nous ne pouvons pas faire autrement, on ne peut rien faire autrement que de les accepter. On n'a pas de choix. C'est l'unique école. Avant, il y avait des pays voisins qui venaient nombreux aussi. Et les Angolais, les Camerounais, les Gabonais, les Rwandais. Moi, dans ma classe, il y avait 2-3 Rwandais à l'époque, avant l'indépendance. Donc, parce que c'était l'unique école d'art subsaharienne. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la plus grande. Il y en a en Côte d'Ivoire et au Gabon, mais c'est d'un niveau pas comme ici. Voilà. Cette histoire. Donc c'est vraiment une histoire quand même particulière, hein, oui, oui. Oui, c'est une grande école. Ce sont des responsabilités que nous en sommes conscients. Et c'est pour ça que nous devons être très sérieux, parce que nous avons un rôle à jouer en Afrique subsaharienne.